parti pour maintenant le caroube. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben avec la casserole, hop, je vais préparer donc mon bain-marie. Voilà, ici, pour y déposer, ici, mon deuxième bol. Ensuite, je vais y mettre dedans une bonne tasse, un peu la moitié de graisse, la graisse de coco, hein. Attention, parce que là, on va dans le caroube, on met de la graisse de coco que je verse dans mon saladier. J'y mets 4 cuillères à soupe, là, que j'ai préparé de sirop d'agave dans ma graisse de coco. J'y mets ensuite mon caroube. Alors mon caroube, il est là et je mets à peu près 2-3 grandes cuillères à peu près, ça ira. C'est ça le caroube, vous trouvez dans tous les magasins diététiques. On le met au centre ici, voilà, de, voilà. C'est là où, parce que j'étais obligé de refaire la vidéo, figurez-vous que en faisant la vidéo, ben, la vidéo s'est éteinte. Donc, je croyais être enregistré ou pas. Voyez le travail que c'est. Hein. Et donc, je mélange ici mon caroube. Alors, on voyait bien. Plus, voilà, il commence à être liquide. Et c'est ce caroube qu'on va mettre. Voilà. Il est bien parce qu'on le voit dans la texture. Voyez. Voilà, regardez-moi. Ça fait... ça recoule ici, c'est ça que les grands chefs ils voient quand c'est bien fait ou pas. On va chercher ensemble avec un pic. Hop. On va chercher. Allez. Ma pâte roulée en cigare que j'ai fait une heure avant, hein, puisque je l'ai laissé une heure au congélateur. J'y mets la pique. Hop là. J'y mets la pique dessus. Et quand je vais mettre notre caroube, on commence à le mettre en bout. Je vous explique, comme le chocolat d'ailleurs, hein, pour pas ici que ça fonde, parce qu'il sort du congélateur, et pour que ça se fiche. Sinon, le cigare, si avec le caroube tiède, il va tomber, il faut aller vite, il va tomber, il va pas tenir, parce que bon, là, il est congelé, ça se fige, mais voilà. C'est adorable à faire, on a vraiment l'impression que vraiment, c'est du chocolat. Cette... facile à faire, adorable. Il faut juste avoir un petit peu le coup de main. Alors, il faut le mélanger. Là, ça commence à être moins tiède. Donc, on a un peu plus de difficultés parce que, évidemment, j'ai dû recommencer la vidéo parce que je vous ai fait une vidéo en parlant dans le vide. La vidéo ne s'est pas faite. J'espère que celle-là, oui, elle enregistre. C'est vraiment triste. Et voilà. Et c'est pareil que l'autre. Et là, regardez, je l'ai pas. J'ai déjà fait au caroube celle d'à côté que je vous ai montrée. Voilà. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure, vite fait. Ici, quand ça se fige, laissez-les se figer. Parce qu'après, on l'enlèvera avec une petite lame. Vous voyez, telle manière à ne pas abîmer pour mettre donc au congélateur. Et là, on y met les friandises. Ça peut être, si vous n'y mettez pas de la framboise, vous pouvez très bien y mettre un petit morceau de banane. La pomme, la mangue, le kiwi, mais tout ce que vous voulez. Moi, je trouve que le rouge, bon... c'est Noël, quoi. Alors là, je vais le saupoudrer. Alors ça, toujours, par contre, hein, du citron. Pourquoi? Parce que la poudre citron, les dernières analyses le disent, hein, le citron, le pot de citron, il faut absolument manger, en mettre de partout. Hein. Et je vais rajouter un petit peu de... allez, moi, j'aime bien y mettre un petit peu de blanc de neige. C'est les fêtes, hein, donc un petit peu de blanc... dessus. Et voilà. J'attends que ça se fige. J'enlèverai ici, comme celui-là, c'est déjà fait. Je le sens. Hein. Si ça ne s'enlève pas, laissez encore se figer. Là, si ça s'enlève doucement, sans l'abîmer, c'est que c'est bon. Ici, c'est que c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, alors je viens de le faire, là, attention. Ah, il s'enlève là, donc ça va. Là, j'ai plus que à le décoller. Alors, j'attends un peu. Hein, parce que là, il n'y a pas longtemps que je les ai faits. Pour les mettre au congélateur. C'est un petit peu plus fragile, hein, c'est un petit peu plus difficile. À, le caroube à le faire décoller. Donc allez-y doucement et on y arrive, mais je ne lâchais pas les deux mains. Et vous le mettez juste au congélateur. Voilà, voilà la différence qu'il y a entre le caroube et le chocolat. C'est la même chose,
La différence aussi, c'est que dans le caroube, vous pouvez rajouter allez, une goutte de coco. Hein, dans la recette ici, on y rajoute à peine une goutte, tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Mais ça va vous faire la même texture, ça va vous faire le même goût. Et là, l'avantage, c'est que tous les enfants vont pouvoir en manger, même à l'âge de 2 ans, parce que ce n'est pas de la caféine, c'est très très riche. Essayez-le, goûtez-le, faites, allez autour de vous la différence. Vous dites pas quand c'est du chocolat, du caroube, vous allez voir. Il n'y a pas de différence, sauf les grands connaisseurs, comme bon, ce goût qui s'y connaissent, bon, vraiment, faut vraiment, vraiment s'y connaître. On ne voit pas la différence. Et même la plupart des gens à qui je fais goûter me disent, bah, maintenant je préfère au caroube qu'au chocolat. Voilà ce qui est bon, et c'est ça que je veux entendre. À vous de déterminer comment vous voulez faire donc votre chocolat. Si vous avez dépassé votre dose, alors sachez que si vous prenez par contre en chocolat, c'est de la caféine, plus de 80 grammes par mois. Arrêtez si vous prenez du café à côté, vous dépassez votre dose et ça devient du poison. Et automatiquement, on prend du caroube. Et là, vous ne dépassez pas votre dose et vous avez l'impression toujours de manger du chocolat. Voilà, allez, à bientôt. Et j'espère que cette recette, vous la ferez, vous me donnerez des nouvelles. Je sais que dans le monde entier, vous regardez surtout les recettes, mais sachez, et j'espère que vous serez là, la vidéo au mois de janvier sera très très intéressante pour tous les poisons qu'on mange autour de soi et qu'on ne connaît pas. Et comment enlever ces poisons? Eh bien, par les nettoyages simples du corps et par du sport ou en marchant, ben, etc. Ça sera pour le mois de janvier. On va faire une vidéo tout simplement sur tous les poisons dont vous ne connaissez pas. Février, mars, avril sera les 3 mois de recettes pour vous aider à connaître tout ce qui est bon pour la santé, pour les nettoyages du corps. Et croyez-moi, j'attends absolument sur le site que vous veniez voir ça, que vous l'essayez, que vous le testez. Et croyez-moi, vous allez nettoyer votre corps, vous allez voir la différence. Et c'est là que votre corps vous dira merci. C'est à partir de là que vous pourrez manger des choses saines ou des jus qui vont amplifier votre guérison parce que votre corps sera nettoyé, moins fatigué. Mais tout ça, on en parlera du mois de janvier à mars et avril. Je vous attends sur la chaîne de l'espoir et de la santé. Là, ça va commencer à devenir intéressant. Allez, à bientôt et merci.
Thank you.